Eh bien, bonjour à tous, c'est Mario Hero. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la quatrième vidéo de Game Dev Tycoon avec notre société. Et donc, nous en étions arrivés ici. Voilà, on avait créé notre troisième moteur de jeu. Et donc, voilà, je pense que c'était là que nous en étions arrivés à la dernière vidéo. Donc, on va trouver une offre d'édition, hein. Donc c'est parti. Enfin, je crois que tout le monde était là. Bah, on va faire un petit travail sur le contrat d'abord. Voilà, un contrat vite fait, bien fait. Voilà, parfait. Allez, on va trouver une offre d'édition. Tout sujet, tout genre, sur la Game Gear, la Veine Agir plutôt. Tout sujet, tout genre. Donc sur la TES. Voyage temporel aventure. Et cyberpunk RPG. Bon. On va peut-être partir sur le tout sujet, tout genre. Ouais. Sur la TES. Tout sujet, tout genre. Ça me paraît pas mal. Maintenant. Ouais. Allez, tout sujet, tout genre, là-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut faire de bien sur la TES? Oh, je sais pas. Ouais, c'est vrai que j'ai pris pas mal de nouveaux thèmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Un jeu de western, peut-être? Ou un jeu de musique? Un jeu de rythme? Ouais. On pourrait faire un jeu de rythme. Ouais, allez, un jeu de rythme, pourquoi pas. En casu, sur la TES, moteur de jeu numéro 3. Et on le fait pour les jeunes, puisque la NES est plus réservée à des jeunes. Enfin, si on se place dans l'époque, hein, bien sûr. Et jeu de rythme, un jeu de rythme. Un jeu de rythme, ben on va. Je sais pas moi, jeu de rythme. Bon ben, j'ai pas vraiment d'autres idées en tête que celle-là, donc. Rhythm and Paradise, voilà. Je n'ai pas d'autre idée. Ok, et on le fait en 3DV2, ça me semble bien. Alors en casual, c'est très simple à coder, puisqu'il y a toujours un seul genre qu'il faut mettre, et tous les autres servent à rien. Donc ici, je sais que dans les casus, celui qui règne en maître, c'est le gameplay. Donc pas de moteur, pas d'histoire quête, mais beaucoup de gameplay. Et donc dans le gameplay, voilà, on peut cocher tout ça. Voilà, ça me semble très très bien. Et oui, voilà, ça me paraît bien. Allez hop, on envoie. Allez, il faut tout déchirer sur ce jeu casu. Ensuite, c'est le level design qui prime sur les autres. Voilà. Parfait. Alors, les dernières nouvelles de cette édition de l'Entertainment Conference ont provoqué l'effervescence des médias. Dans une annonce surprise, Vony, qui correspond à Sony, a présenté le prototype d'une console appelée la PlaySystem. Tiens donc. Vony aurait essayé de collaborer avec Nivento, donc pour essayer de créer un support CD, un peu comme ce qu'on a fait avec la Mega Drive, avec la Mega CD hein, dans le réel. Et puis là, dans l'instant d'après, ben l'accord entre Nivento et PlaySystem n'a pas été abouti. Voilà. Et c'est grâce à ça que bah, la PlaySystem, autrement dit la PlayStation, en réalité, va voir le jour dans quelques années.
après cette annonce. Alors, ici, graphisme semble très important, son aussi. Hop, le mode, toi, parce que l'autre va être surchargé. Et voilà, donc graphisme en 3D V2, son mono, monde ouvert, non, pas besoin, puisqu'il n'y a pas de design du monde dans un jeu de rythme. Allez, il faut que ce jeu casse tout. La thèse sera retirée du marché dans 2 mois. Ok, corrigez-moi les bugs. Ah, le con! Il a mis un bug. Je serais pas étonné si ça affecte les scores. IA améliorée, cycle jour-nuit. Bon, bah fais-moi un rapport, ce rythme est paradise. Allez, il faut que ce jeu cartonne. Le 10! Tout le monde l'adore! Star Games, allez, super! Un des meilleurs d'Informed Gamer, ça fait un 9. Un deuxième 9 de Kimero. Parfait. Et très plaisant, All Games à un 8. Allez, c'est parfait. C'est un jeu qui cartonne. On va vous accorder un congé, vous deux. Toi, on va continuer de te former en design. T'en as bien besoin. Allez, c'est parfait. Et le jeu a obtenu les notes requises. Parfait. Parfait, parfait. Et la thèse a été retirée du marché. Bon, alors on va essayer de rechercher des nouveaux thèmes. Prison, pourquoi pas, ça peut être une idée. Histoire, ah, ça c'est bien, histoire. Histoire alternative aussi, ça peut être pas mal. Rhythm et Paradise vous réserve de nombreuses bonnes surprises. J'ai rarement vu des contrôles de jeu si réactifs. C'est un vrai plaisir d'y jouer. Rares sont les jeux qui vous capteront autant que Rhythm and Paradise. Allez, bah voilà, il y en a qui sont contents de ce jeu-là. Donc, rythme et casu est une bonne combinaison. Le son semble être très important. Plateforme genre, donc casu avec la TES est bon. Et les jeunes avec la TES est bon aussi. Parfait. Bah voilà, c'est bien. Post-apocalyptique. Ouais. Ouais, c'est plutôt détective, hein. Voir s'il n'y a pas mieux. Le marché semble être stabilisé à nouveau. D'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas de nouveaux thèmes? Loup-garou. Ouais. Loup-garou, si tu veux. Ouais, tant qu'on a des points de recherche, profitons-en. Espionnage. James Bond 007. Des jeux de course. Allez, ça peut être pas mal. Et du vocabulaire. Bon. Voilà. On les laisse recharger. Rechercher plutôt. Voilà. On a recherché tout ça. Alors on va trouver un petit travail sous contrat. Vite fait, bien fait. Hop. Parfait. Voilà, on va trouver une nouvelle offre d'édition. Post-apocalyptique stratégie. Ouais, non, laisse tomber. Vampire tout genre, tout sujet casu. Mais j'ai déjà fait un casu, donc vaut mieux pas refaire un jeu qu'on a déjà fait. Enfin, un genre qu'on a déjà fait. Et ici, c'est un tout sujet tout genre, donc on me laisse libre. Ah ouais, on me laisse vraiment totale liberté. On m'impose rien du tout. Voilà, je peux choisir le thème, le genre, la console ou le PC, hein. Ok, ben on va partir sur ça. Alors, choix du thème. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme thème? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme thème? Il y en a plein, il y en a plein. On en a débloqué pas mal des thèmes. Eh bien, vous savez quoi? Je pense partir à l'idée de faire un donjon. Ouais, un donjon.
Genre un Zelda comme ça. Ouais, ça peut être pas mal ça. Un donjon. C'est une bonne idée, je pense. Maintenant, donjon. Ouais, sur quelle console aussi? Quel genre aussi? Bon. Peut-être RPG. Ouais, RPG. RPG ou alors simulation. Non, simulation, ça correspond pas à vraiment un Zelda, ça alors. Hein. Ouais, on peut faire un donjon simulation, on va rigoler. Allez, donjon simulation. Et on va le faire sur la Super NES. Voilà, on va acquérir la licence avec notre moteur. Et donc, bah, on va le mettre pour tout public, je pense. Le donjon. Voilà, on va le mettre pour tout public. Et donc, voilà. The Legend of Zelda. Ou alors. J'ai une idée. The Legend of Zelda Maker. Voilà. Un peu comme les Super Mario Maker qui est sorti sur Wii U. Ah bah voilà. The Legend of Zelda Maker, tu pourras créer tes propres donjons et faire une simulation de ça. Eh, c'est pas mal, hein, franchement. Ah, moi je valide. Moi je valide ce projet, ça peut être pas mal. Franchement, ça peut être pas mal. Alors, il semble que pas mal de joueurs utilisent une copie illégale de Rhythm Paradise. Les poursuivre en justice ou les avertir. On va les avertir, voilà. On va les avertir, on n'est pas méchants. On va leur dire, tatatat, attention. Faites attention à ce que vous faites parce que si vous continuez, je ne serai pas d'accord. Alors du gameplay, bah oui, dans une simulation, gameplay c'est important, un peu de moteur, histoire quête, on s'en bat les couilles, franchement. Et voilà, ça me paraît bien. Allez, on commence à développer le Legend of Zelda Maker. Wow, le Rhythm Paradise. Il était bon, hein. Andrew McNirage. Ouais. Ah, une demande d'interview. Oui, j'accepte. Alors, donjon simulation. Plus de moteur ou plus d'histoire quête? Bah, plus de moteur, hein. Histoire quête, on n'en a rien à kicker. Voilà, et là, ça nous dit que. Voilà, les professionnels sont du même avis que moi. Voilà, c'est bien. Deuxième étape. Deuxième étape, bah, l'intelligence artificielle prime sur le design. Dialogue, on s'en bat les steaks. Voilà, ça me paraît pas mal. Hop. Ah bah oui, j'ai envoyé des avertissements pour ceux qui utilisaient des copies illégales de mon jeu. Eh oui, le piratage, hein, c'est un problème. Et on a gagné 326 fans grâce à ça. Voilà, il suffit d'avertir les gens et voilà, ils sont contents. Et ici maintenant, oui, ça me paraît bien. Graphisme, son. Ouais, ça me paraît bien. Allez hop. Ouh là, j'ai déjà plus beaucoup d'argent, moi. Faut que je fasse gaffe. Ouh, je suis dans le rouge. Faut que ce jeu cartonne, sinon c'est cuit pour moi. Double record, ça c'est bien. Allez, parfait. Augmentation de salaire pour 3 personnes.
Multijoueur, histoire ramifiée, dialogue arborescent et son stéréo. D'accord. On va pouvoir rechercher. Donc. Son. Ah ouais, mais j'ai plus assez de sous, dommage. Je vais devoir attendre. Je vais devoir attendre que des. Ah oui. Oui, j'accepte l'argent de la banque, merci. Allez, il faut que le jeu cartonne. Parce que on est pas bien, on n'est pas bien. 1-8. 7. Et 1-8. Allez, c'est parfait. On va faire un rapport. Et tandis que tous les autres, vous avez trouvé un travail sous contrat. On en a besoin. On a besoin de sous. Le jeu a obtenu les notes requises, ça c'est bien. Allez, on continue les autres contrats. 6 semaines, ça va être compliqué. 8 semaines, ça me l'air faisable. Voilà, oh, on a de très bonnes critiques, ça c'est parfait. Ok, bon, on va directement enchaîner avec un autre jeu parce que on n'a pas beaucoup de. Pas beaucoup de sous. D'autant plus qu'on aura un emprunt à rembourser après. Donc, Animal Virtuel Strategy. Je sais pas où ils ont été chercher ça. Cyberpunk tout genre, tout sujet casu et tout sujet tout genre. Oh, on peut refaire un casu, hein. Ouais, ça peut être pas mal. Un tout sujet casu. Très bonne idée. Alors, tout sujet casu. Choix du thème, une course. Choix de plateforme, la gaming. Choix du moteur, le mien. Et on va l'appeler, pas beaucoup de surprises, Mario Kart. Jeu moyen, et alors on va le faire pour les jeunes. Voilà, puisque la gaming, c'est pour les jeunes. Hein. Ouais. La gaming, c'est uniquement pour les jeunes. Bah oui, tout à fait. Donc, moyen, jeune course, tête à tête, hop, et on le fait en 3DV2. C'est parti. Alors, du casu, casu. Bah oui, hein, donc. C'était le gameplay qui primait, le moteur on s'en bat les steaks. Hop, pas de gameplay. Uniquement. Ah si, le gameplay important. Oui. Voilà, ça me paraît bien. Allez, il faut que Mario Kart soit bon. Alors, le. Ouais, voilà, le prêt. Qui est remboursé. Ensuite, level design très important, pas d'intelligence artificielle. Allez, on doit tout déchirer avec Mario Kart. La convention J3 qui nous invite à ouvrir un stand chez eux. Ouais. Comme ça, on va pouvoir montrer des démos de nos futurs jeux. Ouais. Je pense, voilà, comme ça. Ça me paraît bien. Allez. Il faut que Mario Kart déchire tout. Legend of Zelda Maker a été retiré et il s'est bien vendu. Ah, c'est bien, parfait. Cool. Graphisme en 3DV3, parfait. Accorder un congé. Accorder un congé. Allez, Mario Kart, il faut que tu déchires tout. Il faut que tu déchires tout à 7. Un deuxième 7. Un 8.
Et un 8. Allez, parfait. On se débrouille bien avec Mario Kart sur la game ligne. Puis toi, en attendant, tu vas me rechercher le 3DV3. Hop, ça sera très important. Cycle jour-nuit, ça me paraît bien. Alors, l'éditeur est content parce que il a eu les notes requises. Ensuite, on va prendre le multijoueur, ça me semble bien. Et puis, ouais, non. Les autres laissent tomber puisque j'aurais pas assez. Là, oui, j'aurais assez. Donc, rechercher, IA améliorée, histoire améfiée. On peut mettre son stéréo. Voilà. Alors, course et casu est une bonne combinaison. Moteur semble être inutile. Bah, oui, voilà, je l'avais dit. Bien, bien. Alors, les autres terminent de trouver les trucs qu'il faut. Alors, la convention G3. On va prendre un petit stand. Alors, hop. Vas-y, trouve son stéréo. Parfait. On trouve une nouvelle offre d'édition. Ah oui, on continue, hein, tant qu'on n'a pas les 100 000 fans. Hein. Donc, tout sujet, tout genre. Enfin, non, tout sujet simulation. Ah ouais, mais il demande un score minimum de 8 en moyenne. Ça risque d'être compliqué. Évolution aventure, ninja aventure et tout sujet tout genre sur la Super TES. Un tout sujet tout genre. Oui, tout sujet tout genre. Pourquoi pas, j'ai une idée. Tout sujet tout genre sur une Super TES. Eh ben écoute, on va refaire. Ville simulation sur la Super TES. Voilà, un jeu pour tout public, ouais, hein. Tout public, ça me paraît bien, ça me paraît très bien. Tout public, jeu moyen, ville simulation, et donc on va l'appeler Sim City. SimCity Deluxe. Voilà. Oups, Deluxe. SimCity Deluxe. Voilà. Et on le fait en 3DV2. C'est parti. Alors, simulation. Bah là. Gameplay très important. Un peu de moteur. Voilà. Un petit peu de moteur. Avec une sauvegarde, voilà, parfait, ça me semble correct. Ah, notre petit stand. On attire combien de monde? On attire 94 710 personnes à la convention. On n'est pas dans le top 100, bon, c'est pas grave. C'est pas le plus important. Et on va mettre un petit peu de marketing en plus. On va promouvoir dans les magazines. Ou magazine et démo. Allez, magazine et démo. Intelligence artificielle, design du niveau, c'est à moitié. Voilà. Ça me semble bien. Ah, Vony qui va dévoiler sa nouvelle console, la PlaySystem. Ça c'est parfait. Ah, on va pouvoir faire des suites. Simulation. Oui, les caractéristiques sont correctes.
Mais lui, il sera un peu trop surchargé, donc on va mettre quelqu'un d'autre. Isaiah Keller, voilà, ça me semble bien. Ou Amanda. Ouais, Amanda, elle a quasi rien. Voilà, quasi rien à faire. On va la faire un peu bosser. Allez, ce jeu doit cartonner. Obligé. Et voilà, Vonnie sort sa console. Mario Kart n'est plus en vente. Allez, corrigez-moi tous les bugs. Bien. Oh, nouveau record pour les deux. Parfait. Tom référence qui augmente sa compétence, donc il augmente de niveau, une formation spéciale disponible, et on pourrait rechercher les easter eggs. Alors accordé à congé, accordé congé. Sim City Deluxe, allez, il faut que ça cartonne. 8, c'est bien. Très bien. Un deuxième 8. 9. Oh, ils sont gentils, Gamero. Merci. Et un deuxième 9 de All Games. Allez, merci beaucoup. Je suis content. Et on va rechercher les suites. Voilà. C'est très important, les suites. Et histoire ramifiée, ça me semble bien. Ah, l'éditeur qui est content. Alors, au niveau du rapport, IA semble être très important. Bah oui. Ça me semble normal. Alors, j'ai joué à SimCity Deluxe et j'ai énormément apprécié cette expérience. Ah, oh, bah ça fait plaisir. Dans ce type de jeu, le cœur des mécanismes de gameplay est vraiment important. Les développeurs l'ont vraiment bien géré. Rares sont les jeux qui vous captiveront autant que SimCity Deluxe. Ah, j'ai atteint les 100 000 fans. Maintenant, je peux auto-éditer des jeux moyens. Voilà, on a atteint l'objectif. Donc, c'est parfait. On va pouvoir développer notre propre jeu moyen, sans d'édition. Bah, c'est parfait. Donc, on va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va développer une suite sur les jeux. Voyons voir. Et faut pas oublier que la PlayStation est sortie aussi. Enfin, la Play System dans ce cas-là. La Play System. Ouais. Play System, qu'est-ce que je pourrais bien développer en Play System? Oh, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. FF2, et il n'y a pas le FF3? Ah non, j'ai pas fait de FF3. Bon, bah, je vais développer la suite de FF2 alors. Voilà. Donc, choisir. Donc, moyen, un jeu moyen, donc pour tout public, fantastique, RPG sur Play System, je paye la licence, choix du moteur le plus puissant que j'ai, et donc Final Fantasy 3. Final Fantasy 3, donc oui, moyen, fantastique, RPG, Play System, et en 3D V2. C'est parti! Alors, RPG, bah, histoire quête, c'est très important. Le moteur, pas du tout. Et gameplay, à moitié. Alors, pas de didacticiel, pas important. Par contre, histoire quête, hop, pas de sauvegarde. Voilà, ça me semble bien. Histoire linéaire, cinématique simple. Ouais, voilà, ça me paraît bien. Ça me paraît très bien comme ça.
plutôt inversé. On va mettre Eric là et Amanda là. Ça me paraît plutôt bien comme ça. Allez, c'est parti. Et on va mettre du marketing, magazine et démo. Allez, hop, c'est parti. FF3 va tout déchirer, les gars. On l'espère en tout cas. Ensuite, dialogue très important dans un RPG. Intelligence artificielle, on s'en fout, ils sont cons. Très cons. Voilà. Donc ça roule là, comme ça me paraît pas mal. Allez hop. Il faut que FF3 cartonne. FF3 doit cartonner, obligé. Et puis design du monde, bah, très important. Les graphismes, pas très important. Et le son, encore moins. Voilà. Ça me semble bien comme ça. Donc son mono, monde ouvert, très important. Alors Amanda qui sera un peu surchargée. À toi aussi tu seras trop surchargée. Plutôt. On met Tom là. On met toi ici plutôt. Ah non, même pas. Trop surchargé aussi. Réfléchissons. Voilà, on va faire comme ça, je pense. C'est le mieux. Ouais, ça me semble bien comme ça. Allez, on valide. Allez, ce jeu doit cartonner. SimCity Deluxe a été retiré du marché. Pas de bug. Ah non, il semble que SimCity Deluxe ait rencontré quelques bugs. Bon, bah heureusement qu'on termine le jeu, hein. Nouveau record de design, ça c'est bien. Alors, hop. Oui, d'accord. Développer un patch. Ouais, pour le jeu SimCity Deluxe. Et FF3, allez, il faut qu'il déchire le FF3. Ouh, oui, le 10, spectaculaire. Et un deuxième 10, allez, magnifique. Et le troisième 10, allez, le carré de 10, le carré de 10. Ah, oh, dommage. Toujours les All Games qui sont toujours un point en dessous. Ah, dommage, on est passé tout près du 10 parfait. Oh, regardez-moi les exemplaires vendus. Ouh, mon Dieu, mon Dieu. C'est le début de la richesse. C'est magnifique. Ouais, c'est super. Donc, on va faire un rapport sur FF3, qui est donc un très très bon jeu. Donc, voilà, on a sorti une suite de FF2, intitulée FF3, et il a reçu des critiques incroyables. Eh oui. Magnifique. Nous venons d'apprendre que Final Fantasy III a accumulé plus de 500 000 ventes. Oh, oh, oh. 500 000 ventes. Ah, le patch est terminé. Un autre jeu mémorable de Nintendo vient de sortir. C'est un plaisir de découvrir l'univers merveilleusement imaginatif de FF3. Vous passerez des heures à voyager à travers ce monde. À Nintendo, n'arrêtez pas les hits, s'il vous plaît. Ah bah, t'inquiète, je vais continuer, hein. Je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Alors, Nintendo a récemment publié un patch très attendu pour SimCity Deluxe. Un fan nous a confié, j'adore les entreprises telles que Nintendo. Elles ne traitent pas leurs clients comme des vaches à lait, mais comprennent nos besoins et s'assurent que nous puissions apprécier nos jeux. Allez, c'est parfait ça. Oui, bah voilà, c'est bien. C'est parfait tout ça. Allez, on laisse finir son rapport. Voilà, c'est parfait. Et donc, dialogue semble être très important pour ce type de jeu. Et correspondant sujet public,
Fantastique, bon. Parfait. Nous venons d'apprendre que FF3 a dépassé les 1 million de ventes. Waouh. Eh ben franchement, je suis tout à fait content. Eh bien, c'est sur ces succès incroyables de FF3 qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors là, je suis hyper content et tant mieux, franchement, tant mieux. Donc, si vous avez aimé cette quatrième vidéo, il me semble, oui, on est déjà à la quatrième vidéo de Game Dev Tycoon, je vous invite à la commenter, à la partager, à l'aimer, etc. Vous connaissez la musique comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Salut!